L'union bancaire, elle a été proposée le 29 juin 2012. J'ai présenté la première partie, qui est la supervision de toutes les banques de la zone euro par la Banque Centrale Européenne, le 12 septembre. Et la décision a été prise il y a quelques semaines. Cette supervision, qui est la première partie de l'union bancaire, sera opérationnelle en 2014. Et maintenant, je vais présenter mercredi la deuxième partie, qui est la résolution bancaire, c'est-à-dire une organisation claire et annoncée à l'avance pour que les banques payent pour les banques et pas les contribuables quand une banque est en faillite. Et donc ces deux parties-là vont être opérationnelles un peu plus tard, mais je pense obtenir un vote du Conseil des ministres et du Parlement sur la résolution bancaire avant la fin de cette année.